Salut à tous. Alors comme promis dans la Radio One Arena, la présentation des différents groupes. On démarre avec le groupe F. Pourquoi? Tout simplement pour terminer avec le groupe A le 11 juin prochain pour la rencontre entre l'Italie et la Turquie. Ce groupe F, considéré comme le groupe de la mort avec la présence du tenant du titre, le Portugal, ainsi que la France, l'Allemagne et la Hongrie. Présentation de ces groupes avec Fabrice Coiffic et Bertrand Hérisson. Le tenant du titre le plus inattendu de la compétition, on parle bien sûr du Portugal, oui, PSV Eindhoven en 2016. De 2016 à 2021, l'eau a coulé sous les ponts. Certes, Cristiano Ronaldo est encore là, presque aussi performant qu'avant, mais le Portugal de cette année a vu l'éclosion de plusieurs autres stars. Cette Seleção fait même peur, du moins sur papier. On retrouvera en défense la nouvelle pépite de Manchester City, Ruben Dias. Impressionnant cette saison, il est même considéré comme l'actuel meilleur défenseur au monde. Devant lui, nous retrouverons le maître à jouer de Manchester United, Bruno Fernandes. Pas la peine de le présenter ou de faire ses éloges, ses stats parlent pour lui. Il sera certainement associé dans l'entrée du jeu avec un certain Bernardo Silva, lui aussi titulaire régulier avec Manchester City. Puis devant, outre l'inusable Cristiano Ronaldo et l'espoir Joao Félix, nous aurons aussi la trouvaille de Liverpool, Diogo Jota. Comme je vous le disais, sur papier, tout paraît extrêmement intéressant, mais qu'en est-il sur le terrain? Ben, c'est pas encore ça. Vendredi, lors du choc Espagne-Portugal, les Portugais n'ont pas trouvé le chemin défilé, malgré Ronaldo, Jota, Renato Sanchez ou encore Joao Félix. Allez, il est encore un peu tôt pour juger cette équipe, mais elle a quand même une belle gueule, ce Portugal. Nous prenons la direction de la Hongrie cette fois. Petit poussé de ce groupe F, les Hongrois ne sont pas vraiment très connus dans le monde footballistique. Mais leur qualification, ils ne l'ont pas volée. Ces derniers ont éjecté les solides Islandais en barrage pour s'offrir leur troisième participation à l'Euro. Avant de parler de leur ambition, intéressons-nous d'abord à son effectif. Et oui, nous connaissons quelques joueurs de cette équipe-là. Le gardien Peter Gulaski de Leipzig ou encore le défenseur de cette même formation, Willy Orban. Après ça, ben, n'inquiétez. Par contre, la perle de ce pays ne sera pas de la fête. Dominik Szoboszlai, le jeune prodige du foot hongrois, s'est blessé une semaine avant l'annonce de la sélection. Une grande perte pour les Hongrois, qui aura d'ailleurs une lourde tâche à accomplir dans ce groupe F. Ils sont annoncés comme l'un des favoris de la compétition. L'équipe de France aura certainement une énorme pression sur les épaules et il faudra rester solide. Et pour ça, eh bien, Didier Deschamps a enterré la hache de guerre avec Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a enfin fait son grand retour. Je pense que je l'ai déjà dit. Après, vous voulez que je le dise ici? Merci, merci Didier. Non, mais on a eu déjà une discussion, ça a été dit, et voilà, peu importe en fait, qui a cherché quoi, en fait. Et la question que l'on se pose tous, est-ce que le sélectionneur va garer le karting d'Olivier Giroud pour sortir la monoplace de la F1? Reste à savoir, champion du monde en titre et vice-champion d'Europe en titre, les Bleus devront impérativement sortir le grand jeu pour pas finir gros blé. Une défense solide, un milieu de terrain orchestré par N'Golo Kanté et une attaque côté Didier Deschamps pour gagner malade la tête. Giroud, Benzema, Coman, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Thuram, Ben Yedder, Tandy, Trezeguet, Pérévini. L'Allemagne, pour sa part, tentera de retrouver sa grande forme depuis le Mondial 2014 et cette finale remportée au Brésil. Entre-temps, le rouleau compresseur Infeld Servicing, de nombreux jeunes ont intégré l'équipe Sané, Gnabry, Kai Havertz et le nouveau champion d'Europe avec Chelsea, Timo Werner. Et nous finissons à apprendre que Timo Werner finale côté opticien parce qu'apparemment il peut trouver 3 protocoles et il peut jouer. What a golden chance! Et on rappelle que c'est la dernière compétition pour l'actuel sélectionneur de la Mannschaft, Joachim Löw. Celui-ci sera remplacé par l'entraîneur du Bayern, Hansi Flick. Tout ce qu'on souhaite, eh bien, c'est qu'il s'aille au là, Benengu Egg, pour Joachim Löw. Également dans l'agenda du jour, l'analyse de ce groupe avec un cas que vous connaissez très bien, un spécialiste, Joe Chupula.
avant de parler, effectivement, il y a le groupe de la mort, mais je voudrais quand même féliciter cette équipe de Hongrie, parce que je trouve que pour les anciennes générations, il faut quand même savoir que la Hongrie a été une des grandes nations du football, donc c'est intéressant de les revoir depuis quelques temps dans les compétitions. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Il pourrait être l'arbitre, je pense sincèrement qu'il pourrait être l'arbitre, parce qu'au niveau football, c'est assez intéressant. Après, la France est favorite. La France est favorite, elle est favorite dans le groupe. Elle est capable aujourd'hui, avec les individualités qu'elle a, le capital, je veux dire, confiance qu'ils ont acquis depuis qu'ils ont eu la Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui sont d'un très très haut niveau. Ça joue très très bien, ça joue très très vite. Et il peut y avoir aussi, si Deschamps nous concocte un peu un football qui peut être un football un peu offensif, on peut avoir une équipe de France qui soit agréable, qui ne sera pas nécessairement une équipe qui gagne, sans nécessairement procurer d'émotion, mais je pense une équipe qui est capable aujourd'hui de procurer d'émotion par rapport au football. Après, il y a l'Allemagne, que je trouve difficile à comprendre cette équipe-là. Je pense aussi le fait que tu annonces que le sélectionneur ne sera plus là après, je pense que ça peut donner un mauvais signal au groupe. Donc je me dis, ça peut être difficile. Donc je pense que c'est un groupe, effectivement un groupe de la mort. Le Portugal a montré aussi une certaine maturité. C'est une équipe qui a quand même des très bons joueurs actuellement, une défense qui est une défense solide. On sent que dans tous les compartiments, il y a des joueurs qui excellent. Et je pense aussi le fait qu'ils aient gagné la Coupe d'Europe leur donne une certaine maturité et aussi une crédibilité d'aller jusqu'au bout. Donc effectivement, dans ce groupe-là, ça va être difficile de pointer le deuxième, le troisième, mais le premier en tout cas. Si en tout cas la France ne l'est pas, je pense qu'elle va se mettre en difficulté pour le reste de la compétition. Aujourd'hui, l'équipe qui peut battre la France, c'est la France elle-même. Donc je pense qu'aujourd'hui, je dirais la France et le Portugal, parce que je pense que c'est deux équipes qui ont aujourd'hui acquis une certaine maturité, et ça serait bien de les voir là aussi, même si on sait que l'Allemagne, on le sait que dans une compétition, il ne faut jamais enterrer l'Allemagne, parce qu'elle est toujours prévisible et imprévisible, donc elle peut aussi aller jusqu'au bout. Donc voilà, le groupe F, c'est fait. Rendez-vous demain à partir de 18h pour la présentation du groupe E.